Hey yo bande de nabos, je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouve aujourd'hui sur Christmas Shopper Simulator 2. L'année dernière, on avait déjà joué au premier jeu et certains de vos commentaires ne m'ont pas laissé indifférente. Dis donc, tu sais pas écrire Noël. Oui, c'est vrai, tout était parti d'une blague moisie. Ça sent la bonne grosse blague de merde. Mais bon, je suis comme vous, je sais parfaitement que Noël, ça s'écrit N-O-U-E-L. On est parti! Première étape, enfiler son casque audio. Seconde étape, mettre le bonnet sur le casque audio. Ça passe, ça passe. Ouais, ça passe. Ça fait juste très con. Bonjour, votre centre commercial est sur le point d'ouvrir. Veuillez s'il vous plaît cette année éviter de tuer autrui. Merci, c'était Jacqueline, caissière chez Gnocchi, le roi des Gnocchi. Oula, ça s'enjaille. Ils sont dans l'impatience. Ils sont retournés à un état primitif. Ouba, ouba. Et c'est parti, c'est parti. Je suis venue par ici pour acheter tout ce qu'il faut pour un bon repas de Noël. Et je compte bien repartir les mains pleines. À commencer par... Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est la baston générale, motherfucker. Ils sont en train de se disputer pour une boîte de Kinder Surprise. Ah, moi le bon chocolat. Ce sont mes Kinder Surprise. Sont où? Sont passés où? Oh la saligote, elle vient de balancer la boîte sur la patinoire. Je ne sais pas patiner. Cette boîte me troll. Doucement, doucement Kevin, doucement, doucement Kevin. Oh, oh, oh Kevin, t'es pas dans l'axe là. Kevin, Kevin, fais pas le con. Arrête de faire l'andouille. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Eh, hey, super connard, aide-moi. Eh, hey, salut. L'ingrat pourra donc jamais récupérer cette boîte de... Oh, ah, c'est nice. Je m'en jaille, je m'en jaille. Et on fait tourner les serviettes. Tiens, Pascal, je te la confie. Merde, oh merde, oh merde, oh merde. Il est vénère, il est vénère. Wesh. Qu'est-ce que t'as, madame? Ah, je ne sens plus ma force. Je t'en des excuses, très chère madame. Des excuses pour m'avoir heurtée et m'avoir insultée. Ça va pas se passer comme ça, non. C'est comme ça que je traite mes adversaires. Oh, est-ce que je peux conduire ce truc? Oui. Saut devant, attention. Oh. Et je vous avais prévenu les gars, hein. Faites pas le genre. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ah Cyril, je suis désolée. Bonjour, bonsoir. Quand je parlais de repas de Noël, je pensais pas exactement à ça. Oh, le concierge, je vais y passer, le concierge, il y est passé. Ça monte escalator ce truc. Oh, 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 oh god. Brave toutou, ils reviennent s'accrocher à la voiture. Livraison spéciale Noël, où est-ce que je vous mets ça? Hey, 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 joyeux Noël. Bien le bonjour employé, je suets venu acheter chez vous quelques mets délicieux pour Noël. Ah, bah finalement c'est pas grave, je vais repartir avec ce déboucheur à chiottes. J'aurais bien l'offrir à mon oncle Michael. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Madame, madame, que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde se met à courir comme ça? Oh, gâche, gâche! Tout le monde se tape dessus, c'est l'enfer! Pousse-toi, Pascal, pousse-toi! Vous la voyez, cette dame, là? Vous la voyez? Poc! Merde, attendez, 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 j'ai raté mon coup. Mais casse-toi avec ta caisse! Casse-toi! M'énerve, lui. Oh, j'ai perdu la femme barbe à papa. Où est-elle? C'est fâcheux. Monsieur l'agent. Oui, vous avez 5 doigts, oui. J'ai perdu une amie, une collègue, une femme. La femme de ma vie, sans doute. Elle est grande comme ça et elle a une... Vous m'écoutez? J'ai pas le temps pour vos bêtises. Eh ben, vous allez venir avec moi tout de suite, monsieur l'agent. Béatrice! Béatrice, Béa, où es-tu? Oh, mon amour! Béa? Béatrice, Béa! Béatrice, est-ce toi, là-bas dans le noir? Non, c'est qu'un fucking cône glacé. Béa! Ah, te voilà, mon aimé. Ma femme adorée. Tu es bourrée, Béa. Tu as trop bu, Béa. Viens avec moi. Viens avec moi. Ça suffit maintenant, les conneries. On avait dit qu'on arrêtait la boisson. On l'avait dit ou pas? Béa? Oh non, mais arrête de faire le pitre dans le sol, Béa. Reviens sur terre, Béa. Je crois qu'elle pendouille dessous. Elle pendouille dessous, la garce. C'est n'importe quoi. Écoute-moi, Béatrice, tu vas rester accrochée ici, à côté de ton coiffeur préféré, pour que tu comprennes la gravité de tes actes. Sois sage. Des ballons. Des ballons, des ballons, je donne des ballons. Eh, tu veux un ballon? Tu veux un ballon? Non, non, c'est type à quelle planerait. Un deuxième? On peut en accrocher combien? Un troisième? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'en as trop pris, grosse. Elle s'appelait Jessica. Ok, alors là, on va s'arrêter 3 secondes sur le château.
Vous avez vu? Si vous avez rien vu, c'est que vous êtes trop jeune. Rapide, lent. Oh, il y a un truc à faire. Oh, il y a un fucking truc à faire. Rapide? Oh, c'est merveilleux! Mais ils n'ont même pas besoin de moi pour s'entretuer! Mais qu'y a-t-il, Christine? On a du mal à s'engager? Laisse-moi t'aider. Avance, avance, avance. Et Christine est partie! Dis! Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, découvrez pour la première fois dans le monde la voiture à gaz, la seule automobile 100% contrôlée par l'humain. En avant, marche! J'entends pas ce que j'entends. Ah, si, c'est une voiture qui marche au pays humain. What the fion? Et c'est le cas de le dire en plus cette fois-ci. Non mais laisse tomber, ça marchera jamais votre truc. C'est moisi. Non, n'achetez pas madame. De toute façon, je pense que vous n'avez pas assez de carburant. Pet provocateur, sous-vêtements pour animaux. Ouh, mais c'est fantastique. Il y a des tenues en cuir pour les animaux un peu sadomasochistes, de type alligator. Des strings pour animaux, putain. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? Faut absolument que j'en achète un pour Nîmes. Monsieur, je voudrais passer à la caisse, monsieur. J'ai acheté cet adorable petit string pour ma lapine. Tu veux pas me faire payer? Tu es sûr? Un vigile. Rien à foutre. Il va pas m'arrêter pour un string. Fight. Vigile, c'est Jackie Chan. Je suis en position fœtus sur le sol. C'est ça, wesh. Fais ton cador, wesh. Je suis bien plus fort que toi. Mes petites balls. Oh, Deans, le cinéma traditionnel irlandais. Allez, on se fait un petit film. Mais on va frauder, hein, évidemment. Chut, c'est bon, on est entré. Quel film est joué? Mais c'est moi. Mais regardez-moi, bordel. Je suis la star du show. Je suis the star. Cassez-vous, laissez passer la star. Wow. Qui a invité Guenièvre de Fontenay? Je veux pas d'elle ici, c'est mon spectacle. Est-ce que vous êtes prêts pour un show d'anthologie? Un spectacle que jamais vous n'oublierez de toute votre vie? C'est parti! Alors c'est l'histoire de deux fesses, et il y en a une qui dit à l'autre... Oui, enfin, elle parle, enfin, de toute façon dans les histoires drôles, tout le monde parle, donc les fesses parlent. Ça va pour tout le monde? On est ok? Donc je disais, c'est l'histoire de deux fesses, et il y en a une qui dit à l'autre... Attention, entre nous, ça va chier. Ça marche? Ça marche pas? Allô? Optique de ville. Mon magasin favori, le magasin de jeux vidéo. La nouvelle Xbox et la PlayStation 4.5. Merveilleux. PlayStation, tu es à moi. Oui, oui. Ok, c'est un vortex. Ou un nouveau jeu high-tech qui n'a pas encore été dévoilé au public. La réalité virtuelle non virtuelle. Je vais être le premier testeur du monde à essayer. Et rien, ni personne ne pourra m'en empêcher. Kevin, à toi. Les boîtes de jeux, les boîtes de choses se déplacent toutes seules. Ils ont une volonté propre. Dire que moi, durant tout ce temps, je les ai maltraités, malmenés. Il est vraiment, vraiment réel, ce casque de réalité virtuelle. Vraiment. Je tiens une sucette. What? Ne bouge pas! Ne bouge pas, PlayStation 4.5! J'ai une sucette et j'hésiterai pas à m'en servir! Ah! Ah! Waouh! Mais c'est puissant! PC! PC! Mais ma sucette, elle tire des boules. Là, je suis sur le cul, d'accord? Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc on va rentrer tranquillement à la maison. Le Papa Noël! Il est là-haut! J'ai tellement de choses à lui demander! Je dois passer! Mais comment ça se fait pas? Elle a grugé la file d'attente du Père Noël! Très bien, j'ai compris qu'en ce bas monde, il fallait se faire justice soi-même. Mademoiselle! Eh, mademoiselle! Elle essaie de faire le crabe pour m'intimider? Reviens ici! Wow, d'où tu me portes? On se connaît pas, tu vas te calmer! Ça suffit! J'étais venue ici pour tataner quelqu'un! Et à cause de vous, je l'ai perdu! Vous allez tous payer! Oui, même toi, Béa! Même toi! Toi particulièrement, avec ta choucroute sur la tête! Va te faire empaler par une vache, Béatrice! Aïe! C'est Jackie! Et je vais m'en aller d'ici, je crois. Et c'est trop chelou pour moi. Et... Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Tu dégages! Ah! Ça y est! Nous voilà enfin réunis, Papa Noël! J'ai quelques toutes petites choses à te demander! Très cher Papa Noël, pour Noël, je voudrais un poney,
une nouvelle collection de couteaux, une table de torture flambant neuve, un lapin, une place sur le Poudlard Express, dominer le monde, du Caral Joline, tous les jeux vidéo gratuits, des amis, un nouveau clavier, un trophée YouTube, des esclaves à mon service, être belle, 3 millions d'abonnés. Hey, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et en attendant la prochaine vidéo à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous.